En moins de 2 ans, un si grand soleil est devenu le rendez-vous immanquable de France 2. Du lundi au vendredi, le feuilleton français attire plus de 4 millions de téléspectateurs à 20h40, prêts à découvrir quelles nouvelles péripéties vont vivre leurs personnages favoris. Au centre de toutes ces intrigues amoureuses, amicales et professionnelles, le lycée occupe une place prépondérante. Si la série se déroule à Montpellier, dans quel établissement scolaire de la ville les scènes sont-elles tournées ? Vrais extérieurs mais faux intérieurs, véritable établissement ou décor ? Après 3 saisons et plus de 600 épisodes diffusés, les fans de la série où jouent Mélanie Modran et Tonia Kinzinger ont-ils réussi à démêler le vrai du faux concernant le Montpellier présenté ? Bien que les vues extérieures soient réelles et que de multiples scènes soient tournées au cœur de la cité de l'Hérault, les péripéties se déroulant au sein du lycée Gustave Flaubert sont, quant à elles, réalisées en studio. Depuis le lancement de la série le 27 août 2018, la production a élu domicile dans un grand studio de 16 000 m² à Vendargues, ville située à l'est de Montpellier, à proximité de Lunel. Niché dans cette ancienne plateforme logistique, France TV Studio a consacré la moitié de l'entrepôt à 2 studios gigantesques auxquels sont accolés les bureaux de production, loges, salles de maquillage, etc. Est-il donc ici, sous les projecteurs, que se retrouvent Manon, Arthur, Inès côté élève et Monette Réal, Frédéric Kamatari, côté professeur. Avec de multiples possibilités pour faire évoluer les décors et agrandir fictivement le lycée, il est à parier que nos personnages favoris connaîtront bien de nouvelles aventures à la rentrée prochaine. The man I love just had a heart.